football américain, les Templiers des Lancours ont largement rempli leur contrat face aux Caïmans du Mans en remportant leur partie 26-7. Les Templiers affrontaient les Météores de Fontenay-sous-Bois ce samedi. Les récentes températures extrêmes ont empêché les élans courtois de disputer leur rencontre contre les Caïmans du Mans il y a 2 semaines. Et c'est donc après un mois de repos forcé que les joueurs reprenaient la compétition. C'est pour mes gros tests parce qu'il y a 2 poules nord. Donc nous, on est premiers de la poule nord A. Eux, ils sont premiers de la poule nord B. Donc on est les 2 premiers ex aequo. Donc voilà, c'est le test. Duel annoncé entre les 2 formations, les Templiers n'entendent pas se faire malmener chez eux, car au bout de la saison, l'équipe n'a qu'une seule obsession. On a gardé le même groupe que l'an dernier, donc un groupe un peu piqué au vif par rapport à les performances l'année dernière et la descente, donc avec une grosse envie de réagir et de remonter tout de suite en D1. Motivés, les locaux dominent la première période. À la fin des 2 premiers quart-temps, 2 touchdowns ont été inscrits, 12-0 pour les Templiers. De retour des vestiaires, la défense sans et or reste en place. Les attaquants inscrivent 2 autres touchdowns, alors que les Météores profitent d'une des seules erreurs défensives pour pénétrer la end zone. Score final 26-7. Au classement, les Templiers, seule équipe invaincue en 3 rencontres, conservent la première place. Prochain match à l'extérieur contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie, samedi 11 mars.